Aussi drôle que touchant, il est l'un des acteurs les plus en vogue du cinéma français, multiplie les rôles à succès et est devenu le chouchou du public. Aujourd'hui, on vous raconte la success story de François Civil. Né à Paris en 1990, François Civil est le fils de deux professeurs d'université. Pourtant, l'école ne semble pas être faite pour lui. L'adolescent de l'époque triple sa seconde, mais se découvre une nouvelle passion, le théâtre, qu'il découvre un peu par hasard alors qu'il s'inscrit à un cours pour impressionner une fille. Si les sentiments ne sont pas réciproques, un autre coup de foudre a lieu. Le jeune François tombe amoureux des planches. À 15 ans, il décroche son premier rôle au cinéma, dans Le Cactus, aux côtés de Clovis Cornillac. Et c'est aussi à cette période que le jeune acteur fait ses débuts à la télévision, dans une série Disney Channel, Trop la classe. On est déjà François Civil réussit à se frayer un chemin et continue à jouer dans plusieurs films. Son rôle dans Soit je meurs, soit je vais mieux, sorti en 2008, lui vaudra une prénomination pour le César du meilleur espoir masculin. Comme je suis pas sympathique, je rencontre pas de gens sympathiques. Sa carrière décolle vraiment dans sa vingtaine, notamment grâce à la série 10%, puis à sa rencontre avec Igor Gottesman, qui lui offre un rôle de choix dans Five, où il affirme tout son potentiel comique. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? T'es en Micaïra des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut? À l'aise dans la comédie, il sait aussi jouer des personnages plus sérieux, comme dans Le Chant du Loup, pour lequel il interprète un sous-marinier à l'oreille d'or. François Civil enchaîne les succès et joue aux côtés des plus grands, Juliette Binoche, Anna Girardot, Gilles Lelouch ou encore Vincent Cassel. À 34 ans, l'acteur compte à son actif 2 nominations au César et a reçu le prix de comédien de l'année par le magazine GQ en 2023. En octobre 2024, il est à l'affiche de L'Amour Ouf, réalisé par Gilles Lelouch. Il y partage l'affiche avec Adèle Exarchopoulos, ce qui alimente la rumeur d'une relation à l'asile entre les deux acteurs. Mais François Civil laisse planer le doute, comme à son habitude, il préfère rester très discret sur sa vie privée.